Ce matin, Julie passe son premier entretien d'embauche. Même s'il s'agit d'une simulation, tout est fait en conditions réelles. La jeune fille a face à elle un vrai recruteur à qui elle doit prouver ses compétences, montrer sa motivation et raconter ses différentes expériences. Donc, on effectuait des réunions mensuelles pour faire le point sur chacun de nous, comment ça se passait. C'est une très bonne expérience parce que ça nous permet de savoir quels sont nos défauts, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui est bien. Et ça nous aide beaucoup pour la suite, pour les demandes de stage et les autres entretiens. Au cours de cette journée formation emploi, les élèves ont aussi pu échanger avec des professionnels issus de la finance, de la santé, du transport ou de l'aéronautique. L'idée, les familiariser avec le monde du travail et de l'entreprise. Il y a de plus en plus d'écoles, voire même d'universités, qui font l'effort de préparer leurs élèves. Donc je les trouve quand même bien adaptés au monde du travail. Les professionnels y trouvent aussi leur compte en renforçant les liens qui existent entre leur entreprise et le lycée. Pour les professionnels, c'est bien de voir aussi donc, en exercice théorique et aujourd'hui pratique eh bien, les futurs peut-être employés qu'ils auront demain dans leurs entreprises. Si ces initiatives sont assez rares dans l'éducation nationale, elles sont amenées à se multiplier, en particulier dans la région.